Bonjour les Alloraposaures, donc je m'occupe de la chaîne Allorap TV, donc ça fait un bout de temps que j'ai pas posté une vidéo avec ma gueule dessus, et voici ma gueule. Et ma gueule, je veux vous parler aujourd'hui de un rappeur, ouais, qui est vachement puissant, que j'aime bien, et qui est underground, et qui vient de Picardie, et ce n'est pas Kamini. Son nom c'est Sixa, Sika. Vous pouvez aussi l'écrire S-I, enfin 6XA. Il a deux manières d'appeler son nom, mais en tout cas, moi, je l'ai connu comment? Bah, sur mon blog, j'avais fait une compilation des meilleurs street tapes en 2019. Et donc, avec la participation de B-Boy Conscient, le site. Et voici qu'en écoutant tous les sons, eh ben, j'ai suis tombé love de cet artiste parce que j'ai l'impression que je peux l'entendre au coin de ma rue. Donc, c'est un artiste bien underground. Et qui sonne bien à l'oreille, qui est sympa, qui est pas connu, qui fait des 90 vues par-ci par-là. Donc moi, je vais lui donner un peu de force. Et voilà la raison pour laquelle je suis là, c'est pour vous présenter cet artiste. Donc là, vous allez écouter son album qui date de 2018 et qui s'appelle Existence. Et ben, dans cette période de confinement, je vous souhaite de vous déconfiner et de faire au mieux. Tranquille, l'ami. Salut. Qu'est-ce que tu cherches toi du coup? S'il n'y a pas de qui, il y a bien un quoi. Tu veux jouer pourquoi? L'existence. Classe. C'est pas rien ça mon pote. On est sans cesse distancé par ces capitalistes qui font que manigancer pour rayer de la liste ceux qui veulent embrasser une cause positive. J'en ai marre de chercher ce que ça signifie. Je dois pouvoir avancer sans fumer ses spliffs, sans me tracasser, sans paroxétine. Je suis pas fait pour tout ça, mais ça je l'ai déjà dit. Le climat est macabre, c'est la Picardie. Même la CIA et les djihadistes passent par là pour faire nom de Paris. Des champs de patates et puis 2-3 villes. Mec, ici tu t'adaptes ou bien tu t'enfuis. Ce que tu cherches n'est pas là, c'est définitif. On a fait face au désastre. Reste que les briques, y'a des obus, des balles qui ressurgissent. Dédicace au Vietnam et à l'Algérie, au peuple du Liban, à la Palestine, aux morts au combat et aux pacifistes. Dorénavant je comprends d'où vient cette hantise. Quand y'a tout qui recommence de façon précise. Les guerres de 100 ans, les guerres fratricides. Les conflits sanglants sous les pyramides. Ça sert à rien de faire semblant, les a tous vu venir. Avec leurs bèves tranchants, plein d'hémoglobine. Avec leurs rêves alléchants et leurs faux sourires. C'est avilissant quand le culte du sang se commercialise. Je commence à comprendre et ça me traumatise. Quand je vois sur quelle légende ils se focalisent. Je deviens sociopathe quand je me socialise. Je déborde du cadre et je loupe ma cible. Tous vos codes m'échappent et c'est ça qui me bousille. Quand je vois que l'espoir se bicrave en centimes. Quand faudrait se battre, dis-moi qui vacille. Qui écrit notre histoire et à qui cela profite. À qui cela profite. Aux vainqueurs comme d'hab, à ceux qui vendent leur âme, à ces mangeurs d'étoiles et aux acteurs de charme. Ils croient vénérables, mais c'est des petits détails, ouais, des petits pédales dans cette triste histoire. Comme Jean-Marie, je divague, laisse-moi tranquille, cisaille. Je profite avant l'apocalypse finale. Avant que ces types ne nous balancent une ogive un de ces samedis soirs et qu'ils s'enterrent pour ressurgir 600 ans plus tard. Ils m'ont fait perdre mon temps, je trouve ça fantastique. Dorénavant je comprends, je crois qu'on est sadique. Pendant qu'ils opèrent en silence, nous on s'intoxique. On met de la merde dans ce qu'on mange et dans ce qu'on respire. Je deviens sociopathe quand je vois qu'on s'éclate pour quelques broutilles. Quand ces carrés noirs qui diffusent l'histoire nous hypnotisent. Et même si je reste là, mec, je suis pas candidat à l'autosuicide. J'ai des lignes sous les pieds, des chaînes traînent au-dessus de la tête. Où mon esprit est perturbé, faut que je m'évade de cette planète. De cet univers empoisonné, où la logique va disparaître. Où c'est mal vu de se questionner sur qui fait quoi dans tout ce manège. On doit s'unir pas cautionner leur stratégie universelle. Celle qui consiste à nous modeler, à nous rendre tous un peu pareils. Peut-être qu'au fond tout est lié, qu'ils feront tout pour nous la mettre. Et que le plan Marshall c'est la troisième mi-temps. Pour Goldman Sachs, pour les intermittents. Pas ceux du spectacle mais ceux dans le bâtiment. Ceux qui vendent de la cam, je trouve ça fascinant. Ils pourraient vendre des armes et ça facilement. Le but final c'est de se sentir plus grand. Malgré les carnages, les morts sur la plage, les débordements. Ils veulent gravir les étages, dominer la masse, c'est désespérant. Ouais, c'est désespérant. Dorénavant je comprends d'où vient cette hantise. Quand y'a tout qui recommence de façon précise. Les guerres de 100 ans, les guerres fratricides. Les conflits sanglants sous les pyramides. Ça sert à rien de faire semblant, les a tous vu venir. Avec leurs rêves tranchants, plein d'hémoglobine. Avec leurs rêves alléchants et leurs faux sourires. C'est avilissant quand le culte du sang se commercialise.
Mafia. Eh gros, si c'est la merde, pose-toi les bonnes questions. Te laisse pas faire, n'en faut pas que tu sombres. Tu n'as pas de maître, bah non c'est juste des pions. Ouais, je me répète, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on ferait sans ces victoires, sans ces tarpés qu'on craint très tard, sans ces projets de rap tout noir, sans ces vengés tous nos semblables? Qu'est-ce qu'on ferait sans ces tocards, ces cols serrés dans ces costards qui doivent gérer cela très tard, tous les projets du père fouettard? Je le demande l'ami, doit-on s'attendre à pire qu'en 1936? Ce gouvernement est assurément sadique. Je le dis franchement, moi la novlange je la nique. Je fais pas semblant, je m'applique sans aucun plan tactique. Pendant qu'on glande, ces charlatans s'astiquent, font des offrandes avant que Satan rapplique. Sous les étoiles, ces mécréants pactisent pour faire la malle, pourraient même vendre leur fils. Prendront les armes que pour défendre leur fric. Dans le fond c'est grave, comportement tragique. Tout le monde s'en tape, je me sens même plus en vie. Les gens parlent, je sens ce siècle est légendaire. Plus je bédave, plus je m'encrasse, même si je le sais, je le fais quand même. Sans rempart, le mental, c'est la seule chose qui nous protège. Je suis bâtard, qu'on en parle pour une maudite histoire de merde. Quant à âme, clémentaille, je lève les yeux, je regarde le ciel. Je prends sa place, je fais un vœu, je me revois dans ce collège. Je pète un câble, nique sa race, je fais des cauchemars de ses pucelles. Sans entrave, je les mitraille, ces misérables petites chiennes. Invivable dans mon sac, quelques cachetons et du pollen. Vénérable comme un arbre, je ne pense qu'à faire des poèmes. Admirable comme un arc face au fusil dans une guerre. Capital comme mon art et ce qui coule dans mes veines. Asocial si je m'évade, bah c'est pour fuir tous ces problèmes. Capte la chose ou bien lâche la drogue, je reste serein, là je recrache la pomme. J'aime les pépins du haut de ma plateforme. Quand j'observe ces crétins, mec j'en perds mes forces, ouais je m'interroge. Quand je vois ces filles bien devenir des connes. Quand elles épousent des pantins et qu'elles enfantent des clones. Est-ce qu'elles pensent au destin qu'elles réservent à leur mom? Qui seront les témoins de la prochaine guerre mondiale? On respecte plus les anciens, on oublie même l'histoire. Et on se butera pour du pain s'il n'y a plus d'aide sociale. La violence mène à rien, demande aux Yougoslaves. Aller comme l'être humain, elle est exécrable. Je voulais partir loin mais j'en suis pas capable. Pourquoi lâcher les siens? Dis-moi ce qu'on y gagne. À part un avenir incertain, un bout de terrain et quelques dollars. Le rêve américain, sache que c'est le cauchemar des pauvres. Ça pue le désespoir, où est ta l'âge de dope? Et si t'as vu être mal, tu sais qu'il faut rester fort. Comme dans Breaking Bad ou bien dans Malcolm. La morale de l'histoire au final elle t'assomme. En fait en ce moment, je trouve que c'est la merde, je ne peux même plus parler aux gens. Et puis pour être sincère, j'ai même plus envie de faire d'efforts. Alors prends pas la tête comme un ado, je comprends personne. Je voudrais quitter la terre comme Apollo ou Asimov. Je me sens frustré quand je vois mes parents vieillir, sans profiter pour qu'on ait meilleur. Vu que je suis honoré, non je peux pas fléchir, je dois conserver tout mon honneur. Je vends pas ma prose contre un empire, y'a que des chiffres dans leur valeur. Je décompose mon esprit et puis je détruis ce qui me fait peur. Je suis comme un scientifique abasourdi devant des preuves. Ce que nos ancêtres nous ont appris, c'est qu'il en faut peu pour faire erreur. Si t'as capté la rhétorique devant tes yeux, t'as un chef d'œuvre. Regarde toute cette souffrance qui se cultive, elle peut finir par faire des fleurs. Du coup je reste là et j'analyse, je cotise même pas pour mes vieux jours. Je cotise même pas pour mes vieux jours. Fais face au doute, te retourne pas car elle te bouffe sur tes bancales. Et puis surtout te demande pas de venir la source de mes angoisses. Quand j'ai pas besoin de vous, lâche tout du doigt ce qui me dégoûte chez mes semblables. Allez poursuis ta route et laisse-moi tout seul avec mes larmes. Y'a que les fous qui veulent savoir, qui peuvent comprendre comment ça marche. Comment ça tourne quand on s'égare dans ces forêts que l'on massacre. Ok. Pour le moment je veux pas d'enfant et finalement c'est pas plus mal. Je suis pas grand même si souvent c'est moi le plus sage. Évidemment que je plane tout le temps, je suis constamment dans les nuages. Je fais pas semblant sinon comment je pourrais prétendre atteindre l'extase. Si t'as un plan décris-le moi, je le recopie pour qu'on dégage. Loin de ces vétérans désespérants qui ne veulent pas voir ce qui se prépare. Car j'ai le sentiment qu'actuellement tout part en couille dans ce monde de barge. Ouais.
Ils pensent tous qu'on est trop jeunes pour les comprendre, ces imposteurs. Mais on sait tous depuis l'enfance que nos parents n'ont qu'une frayeur, la même que nous, bah mon vieux, cela nous bouffe de l'intérieur. On ferait tout pour pas être seul, on se séduit les uns les autres. On se reproduit, on se fait du tort, c'est le reflet de notre époque. En vérité, plus ce système nous détériore, plus on nous gave, plus on nous dope. Moi je suis produit de la terreur, rien que d'en parler, ça m'insupporte. Fais face au doute, te retourne pas, car il te bouge, c'était bancal. Et puis surtout, te demande pas de faire la source de mes angoisses. Non, j'ai pas besoin de vous, lâche tout du doigt, c'est qui me dégoûte, j'ai mes semblables. Allez, poursuis ta route et laisse-moi tout seul avec mes larmes. Y'a que les fous qui veulent savoir, qui peuvent comprendre comment ça marche. Comment ça tourne quand on s'égare dans ces forêts que l'on massacre. Bannir ses codes, est-ce qu'il en reste? Appel aux ordres du capitaine, tout comme ses drogues pestilentielles. Les métaphores, c'est ce qui m'obsède. Faire un tas d'or, ceci m'emmerde. Je me sens plus fort que si je me perds quand je performe en pleine galère. Je suis comme la mort, mais en plus d'être. Par les fleurs, les chrysanthèmes. Comme moi et mon frère, on est en plein essor comme le cancer. Tel des condors qui volent dans l'air. Quand on se pose, c'est pour la cherche. Débarque de loin, pas d'Angleterre, mais bien d'un petit terrain où on s'enterre. Ça dirait rien si je l'énumère. Dans mon 8Z, y'a ni témoin ni adversaire. Ici, on serre les poings et les molaires. Même si on transpire, on reste serein, tel des orfèvres. Si, si, quelques castins peuvent faire l'affaire. Et si elles chantent bien, je leur fais l'enfer. Oui, oui, elles pourront jeunes pleurer leur mère. Vite, vite, voudront rejoindre ces sales fémènes. Tout ça pourquoi montrer leur sein comme des traînées. Peux pas comprendre comment c'est bien, je m'aurais freiné. Depuis l'âge tendre, plus elles m'épatent, plus elles m'effraient. Il faut que ça change avant le carnage globalisé. Car j'ai la haine depuis tout petit, comme Eminem ou la Poutine. Ça que mes vers c'est des missiles professionnels pour les faire fuir, pour foutre la gerbe à toutes ces filles. C'est pas la peine que l'on s'estime si c'est pour faire de la merde et se reproduire. C'est pas la peine que l'on s'explique, faut juste qu'on s'aime à l'infini. Oui, j'ai encore quelques séquelles, malgré la drogue j'ai conservé quelques réflexes. Ça fait tout drôle quand tu converses avec toi-même. Quand t'as des potes qui disparaissent comme ta flemme. Quand t'es tout seul à te motiver pour faire la guerre. Si je fais des fautes, corrigez-moi comme la maîtresse. Je pense à mes strophes, à mon futur, casser la merde. Ça sent la flotte, rien à branler s'il pleut à verse. Je reste en poste, même me tremper jusqu'à la moelle. Je ferai ce qu'il faut, même si je dois tout seul me les faire. Je pense à mes proches et à tous ceux tombés à terre. Moi la confiance, je ne la donne qu'à mon père. Fuck un patron, sais-tu pourquoi est-ce qu'ils nous prennent? Mande à ma con, ces fils de pute me foutent la gerbe. N'en garde haut, qui nous la suce, ces petits traîtres. Ces collabos qui dans la lutte donneraient leurs frères. Tant qu'un niveau se marcherait dessus pour quelques pièces. Pour un bardeau, un résidu de poudre verte. Qu'on perd nos repères, c'est grave logique, il faut que ça germe dans vos esprits. Si tous nos vers se multiplient, c'est qu'on les crée pour pouvoir fuir. Pour pouvoir fuir de ce système profondément machiavélique. C'est pas la peine que l'on s'explique, restons rebelles et créatifs. C'est pas la peine qu'on négocie tous ces tarés sans foutre plein de pif. Ils se reproduisent par centaines comme des nuisibles dans la crasse. Leur façon de vivre est incendiaire, ils feraient tout pour que ça crame. Ils sont partout sur l'hémisphère comme les microbes, les ambassades. Ils se comportent comme des hyènes, si t'es la proie, sache qu'ils t'avalent. Voudraient que le monde leur appartienne, apparemment ils y travaillent. Est-ce la nature ou le système qui crée des choses aussi macabres? Les êtres humains me foutent la haine, plus je m'en éloigne, plus je suis à l'aise. Je voudrais que mon âme se désintègre ou qu'elle se réincarne dans un aigle. Je pense aux étoiles, à l'univers, à ce détail quand je lève le nez. On dit que je plains, donc tant qu'à faire, je veux bien tout voir d'un peu plus près. Je veux contempler ce qu'il y a dans le ciel, autrement dit l'éternité. Y'a qu'en restant les pieds sur terre que l'on pourra s'en approcher. Comme les arbres à voûte céleste, c'est une des choses les plus sacrées. Pourquoi partir à sa conquête? Pourquoi veulent-ils l'exploiter? Si je me préserve, cela s'explique. Mon univers s'autodétruit, ça me désespère de voir ces petits brasser de l'air pour faire du fric. En pleine guerre psychologique, se laisser faire c'est pathétique. Faut qu'on se réveille et qu'on s'aligne comme toutes ces pierres volcaniques. Moi je me répète, faut qu'on s'aligne, que notre quête soit alchimique. Que l'on comprenne ce qui nous arrive pour mettre un terme aux maléfices. Moi ça me bouleverse depuis tout petit, je coule de travers, c'est gravissime. Ouais ça me bouleverse depuis tout petit, je coule de travers, c'est gravissime. Étant jeune, ça
arraché, parcours taché, séjour acheté, retour achevé. Bagnole cramée, pot d'échappement sur le macadam. La pauvreté, proche des parents qui en ont marre. Même fracassé, on reste droit, on reste brave. Je veux pas me casser tant qu'on est là et qu'on en barre. C'est ça le casse-pied, me regarde pas, on reste de marbre. Je vais pas me casser, non je ne vais pas passer la bague. Faudra ruser pour qu'on s'attache ou qu'on bavarde. Improviser car mon esprit fait déjà le travail. Pour capter quand je me fais chier, sache que je fais tave. Je suis sale paumé, pas attiré par une vie stable. Toujours tenté par les femelles les plus instables. C'est pas pour jouer, à quoi ça sert qu'on fasse tout ça. Trop attaché, sois pas étonné si ça fait mal. Je peux te relâcher ou respirer, c'est capital. Puis t'oublier, ouais la distance c'est pas plus mal. Empoisonné, c'est vrai que mes textes sont radicales. Toutes ces promesses ne me suffisent plus. Je doute, je décompresse, parfois je capitule. Fou devant ses fesses, devant ses aptitudes. Tout cela m'obsède, je deviens taciturne. Ce 21ème siècle plein d'incertitudes. On était chaud comme la presse, comme la canicule. Je me souviens du soleil et de drôles de trucs. Tu n'avais pas besoin d'air, j'ai d'une aventure. Je crois que ce putain de système m'a toujours déçu. Ouais, je rêvais de me barrer, pas d'un plan sécure. Les proverbes disent vrai, mec, il faut de la thune. Si tu veux vivre dans l'ivresse, rester dans ta bulle. Je me suis perdu dans la peine et ce depuis le début. Et si jamais tu me rappelles, je te fume comme la pub. Je te sentais dans mes veines, dans mes molécules. Tellement formaté que je me sentais plus. Que je me sentais plus. Mais je m'en suis remis comme le prince des ténèbres. Une moitié en vie tandis que l'autre des fenêtres. Tous ces artifices paraissent inutiles. Et pour être honnête, tu as anéanti depuis que j'ai perdu l'envie d'apprendre à te connaître. Ici de toute façon le romantisme, y'a plus grand monde qui s'intéresse. Comme les leçons qu'avant les livres ou bien ces choses au fond de ma tête. Moi je rêvais d'une fille avec un sourire plein de mystères. Avec qui je pourrais m'enfuir et oublier ce qui m'oppresse. Qui nous délivrerait de cette époque où le vice règne. Autrement dit, je crois que j'ai rêvé d'une magicienne. Je crois que j'ai rêvé d'une magicienne. Celtique et ça c'est dit, sache qu'il s'en tape de l'Amérique ou de la Sensi. Malgré le rap et les séries qui l'hypnotisent, son idéal c'est la vraie vie, pas cette esquisse. Exelixi. Je suis à la recherche d'un nouveau monde comme les Vikings et le Vinland. Je m'en bats les couilles, Christophe Colomb, pourquoi subir leur propagande? On connaît tous les hommes de l'ombre qui font la pluie et le beau temps. Oui, je redoute les francs-maçons, ils sont sur tous les continents. Comme la poule d'aviation, ces saletés de président. Comme la foule en pleine action, les fast-food ou Disneyland. Ils sont partout, c'est l'invasion, je pourrais que le dire dans toutes les langues. Ce monde est fou, t'es un vieux con, quand je suis écrit, ça les dérange. Je trouve ça navrant comme des visages, je suis pas du genre à faire la manche. Même constamment dans les nuages, moi je suis conscient qu'il faut que ça change. C'est permanent l'apprentissage. Pas toi si t'aimes apprendre. Si tu comprends que l'héritage c'est pas qu'une simple question d'argent. Il est en toi même quand tu marches, quand tu t'exprimes ou quand tu flanches. Je suis pas méchant, mais sur le nage, a fait de moi un gars étrange. Rien d'innovant dans ma démarche, j'écoute le vent qui froisse les branches. En me traînant tel un vieux sage sur les chemins de la déviance. Et si je contemple le paysage, bah c'est sûrement un signe de chance. Peuvent tuer tous les mages blancs, quoi qu'il arrive, on se régénère. On est un peu l'équivalent de ces défenses immunitaires. Pour la planète et pour la France, j'aimerais vraiment y mettre un terme. Ce que je veux dire lyricalement, c'est qu'il est temps qu'on intervienne. Si ce système est sur la langue, c'est forcément qu'il se désagrège. Je peux vous le dire, pour être franc, faudrait lui sectionner la tête. Faudrait lui sectionner la tête. Comme Emmett Brown, j'attends la foudre, les moldus demandent pourquoi. Des tas de symboles sont sur ta route, à toi de voir ce que tu retiendras. Quand l'horloge sonne, ça sent la poudre, regarde un peu autour de toi. Oui, de la drogue, y'en a partout, peut-être qu'un jour t'y succomberas. Moi si je me perds dans la cambrousse, pas Jennifer me retrouvera. Oui, je me demande où sont les douze et où se trouvent les porte-voix. Où sont les gens avec des couilles dans ce monde de merde insupportable. Où les plus sages sont les plus fous et les plus faibles les plus braves. Ouais, si les plantes se teintent de rouge, c'est que le temps nous joue des tours. Il se dilate, puis se ressoude, des fois tu le sens quand tu te shootes. Quand t'es en transe pendant l'amour. En le promenant dans la nature, oublie l'instant, c'est le grand tout qui nous anime et qu'on adule. En prendre conscience, c'est un atout, c'est un petit peu devenir adulte. Depuis le début, ça les rend fous, même dans la Bible, y'a des ratures. Voudrait le contrôle de la matrice, des éléments de son ossature. Mais en faisant ça, elle s'atrophie, c'est évident comme calcul. Il
ils peuvent tuer tous les mages blancs. Quoi qu'il arrive, on se régénère. On est un peu l'équivalent de ces défenses immunitaires. Pour la planète et pour la France, j'aimerais vraiment y mettre un terme. Ce que je veux dire lyricalement, c'est qu'il est temps qu'on intervienne. Si ce système y tire la langue, c'est forcément qu'il désagrège. Je peux vous le dire, pour être franc, faudrait lui sectionner la tête. Faudrait lui sectionner la tête. Mais la magie est dans toute chose, il faut que tu creuses tes ménages. Dans ces images qui nous imposent, y'a un message subliminal. Ils veulent qu'on se lâche, qu'on prenne la dose, qu'on fasse tourner la capitale. Que l'on remplace nos idoles par leurs croyances abominables. Comme les Romains l'ont fait en Gaule, les Ricains en Allemagne. Sache qu'ils nous baissent de l'intérieur, mandat Apple ou à Ronald. C'est les Grégores de la nécrose, la toute puissance du mage noir. Et si jamais tu t'y opposes, je te félicite pour ton courage. Je te félicite pour ton courage. Ils peuvent tuer tous les mages blancs, quoi qu'il arrive, on se régénère. On est un peu l'équivalent de ces défenses immunitaires. Pour la planète et pour la France, j'aimerais vraiment y mettre un terme. Ce que je veux dire lyricalement, c'est qu'il est temps qu'on intervienne. Si ce système y tire la langue, c'est forcément qu'il se désagrège. Encore une fois, pour être franc, faudrait lui sectionner la tête. Faudrait lui sectionner la tête. Qui ressurgira. Hein. Comment t'appelles-tu, comment t'appelles-t-il? Enfant battu ou fille facile? Comme ça t'appelles-tu, mais que fais-tu de la mienne? Hein? Regarde donc les actus, tu n'y verras pas de merveille. Non. C'est pas les enfants de la rue qui s'habituent au goût du miel, mais ceux qui sont corrompus et qui nous ensorcellent. Notre haine est accrue, moi je pense qu'ils comprennent qu'on marche dans la glu et dans les merdes qu'ils sèment. Hein? Comment peuvent-ils ignorer ces tas de bidonvilles? Comment peuvent-ils oublier sur le feu de l'huile? On les laisse gouverner, c'est le monde qu'ils bousillent. Faut pas te prosterner, c'est pas des dieux imbéciles. Ils ne savent pas gérer leur propre fourmilière. Elle n'est pas aérée, on y étouffe, c'est l'enfer. Ils disent s'en occuper, mais nous la mettent à l'envers. S'ils sont pas aliénés, c'est qu'ils sont grabataires. J'aimerais nous voir unifiés, mais je me parle à moi-même. Je vois personne écouter quand je donne des conseils. Comment as-tu fait pour oublier ceux que t'aimes? Comment on a fait pour se nourrir de haine? Comme ça tu veux pas lutter, tu me fais de la peine. Commence à sucer, oui tu sais que je t'aime. Je commence à tousser, je crois que le cancer m'appelle. Je suis sans cesse éclaboussé par la folie de mes thèmes. N'en faut pas me pousser ou creuser un appel. T'inquiète, mon trou je le ferai, j'ai pas besoin d'aide. Comment peuvent-ils nous faire taire, nous qui manions la rime? Comment nous foutre en l'air, nous qui parlons de leurs crimes? Nous remuons la terre et nous taffons en intérim. Ils nous ont déclaré la guerre, ouais mec, ils nous oppriment. Même sur internet, ils diffusent de la merde uniquement pour nous séduire. On n'est qu'une simple clientèle, complètement à la dérive. Ils veulent nous faire croire à ce qui se passe dans leur télé. Regarde dans ton miroir si t'es pas encore fêlé. Tu verras que notre histoire est non seulement rafistolée. Ce n'est qu'un dépotoir où il faut sans cesse trier pour trouver de l'or parmi tous ces débris. Comment y croire encore dans ce décor tout gris? Faut faire fonctionner ton cœur. Ta logique avant qu'ils ne t'emportent vers le masochisme. Si tu cherches du réconfort, ils peuvent te faire un prix. Petit à petit, ils nous dévorent, ce sont des bactéries. Moi ça me démange, j'en ai vraiment marre. Je sais que ça les dérange quand j'écris le soir. Qu'ils me trouvent étrange, même quand je travaille. Alors faudrait que je m'excuse d'avoir perdu ma foi. De ne plus croire en ses buts ou de ne plus croire en toi. Non, jamais je capitule, tout ça s'exclut, tu ne mourras pas. Je te le dis frère, ils font tout ça pour la maille. Moi je suis plus sur terre, y'a trop longtemps que je déraille. Même si leur façon la plupart du temps elle me fascine. Sache que je crache sur leur modèle et que je rêve de m'en sortir. Car ce paradis est plus l'enfer, y'a trop de monde qui s'enracine. Ouais y'a trop de monde qui s'enracine. Je ressens la mort et puis parfois je me sens revivre. Tout ce que j'arbore, tu peux le voir dans un sourire. Oublie la peur, fais des efforts comme à l'usine. Les beaux parleurs font partie de ceux qui hallucinent. Oui, quand vient l'heure, y'en a très peu qui voient les signes. Prédicateurs, peut-être qu'on est là pour vous prévenir. Que le pays du fromage a la vache folle, qu'on est réduit en esclavage par des tafioles. Quand je vomis, c'est écarlate, faut qu'ils me pardonnent. Ma cible, les bureaucrates qui nous sanctionnent. Ça sert à rien que l'on débatte tout ce que t'absorbes, vu que t'es prêt à prendre les armes pour 2 grammes d'or. Pour quelques dollars, les droits de l'homme se marchandent bien comme la drogue. Comme un bout de pain, comme la
bonne, siècle 21, mec t'as ma parole, qu'on creusera toujours plus loin pour un simple atome. Pour un petit butin qui n'a pas de forme ici, rien de formidable ou bien trop de choses. Dans ce maudit foutoir qui nous sert de piole, je médite, je me cultive et je parle tout seul. Ouais, depuis longtemps j'ai compris comment ça fonctionne, alors j'écris sur ces mages qui nous portent l'œil. Bien que ce soit eux les anges déchus et pas ces mots qu'on pointe du doigt. Apparemment ça les amuse d'instaurer leur dictature sans que l'on fasse quoi que ce soit. Et c'est comme ça depuis des lustres, depuis que Jules monte à les marches d'Alésia. Ce qu'ils ont construit c'est pas solide, non c'est voué à s'écrouler. Comme la City dans la Tamise, la Tour de Pise ou l'Elysée. Je les vois se vautrer dans le plaisir, dans le bonheur artificiel. Continuer, faire comme si tout irait mieux grâce à l'oseille. Notre univers est si fragile qu'il suffit de peu pour qu'il s'éteigne. Ils appellent ça l'apocalypse, moi j'appelle ça une bouffée d'air. Aïda, même si je suis à l'étroit dans ma tête, faut pas qu'ils croient que je m'apprête à faire une croix sur ma quête. Les hommes de loi, c'est sale traître, on fait d'un une carpette. Qui s'étonne pas, c'est carpette. Si ceux qui aboient ont la peste, si on ne pardonne pas leur bassesse. Ils connaissent sûrement mon adresse, là tout sur moi et ma secte. Sur ma caisse, mon agenda et ma tête. Je balance des crachats sur à peu près tout ce qui m'affecte. Je reste conscient, je nous prépare, je veux pas perdre. Je suis au courant que ce qu'on nous prépare, c'est de la merde. Sache qu'un plus sournois qu'un sale traître dans les rangs du Sénat, chez la CIA ou Daesh. Lucifer est en eux, je te le dis gros, c'est sûr. Ça se voit dans leurs yeux et leurs procédures. Le billet vert, c'est l'enjeu, fait de hautes études. Reste fier, prétentieux, moi j'ai l'habitude. S'il y a plus d'eau, je boirai le sang des élus. Oui, j'ai des crocs et le sentiment d'être exclu. J'en fais peut-être trop, mais franchement, je suis déçu. Trop d'enculés dans ce gouvernement corrompu. En galère, putain, posé là depuis des lustres. L'atmosphère, comme la grisaille, elle me pollue. Texte amère, mais vont me faire quoi, ces fils de pute? Niquer leur mère dans l'immédiat, c'est une turlute. Une crise de voix, si je continue, si je dévoile le contenu de ces histoires qu'ils atténuent. Ces gros bâtards ont tout prévu. Dans le dépotoir du superflu, plein de mouchards et subterfuges. Et ouais, c'est ça leur monde, du théâtre, du cinéma. Caché dans la pénombre, ils ne s'éclatent pas comme vous et moi. Ils voudraient qu'on se dévergonde, tu le constates, ça devient sournois. Dominé depuis des plombes, ces psychopathes font la loi. Si je reste là, je deviens sombre, quoi qu'il arrive, je perds la foi. Si je reste là, en fin de compte, c'est que l'offensive n'aboutit pas. Je veux faire la peau à tous ces cons, à ces ministres, ces scélérats. Faut pas les foutre en examen, vaut mieux les foutre au pilori. Ils recommenceront, sois-en certain, referont maintes saloperies. Fais pas le con, fais pas le malin, si t'es devant un terroriste. Retiens la leçon, même un crétin peut faire flipper le premier ministre. Faudrait que j'apprenne à faire la différence entre les chiennes et les vrais anges, entre les vrais et les faux semblants. Y'a trop de pulsions, peu de sentiments, entre de fiction et de gens qui mentent, tout ce maudit vieux continent. Si je fais du son silencieux, c'est que j'ai disons un manque immense. Je me sens plus sombre que le président, ou ses démons dans la finance. Dans la pénombre, je me sens chez moi, non j'ai pas besoin de reconnaissance. Malédiction et compliment, ce sont deux choses qui m'alimentent. Pour faire mal son aux enseignants, il suffit juste que je redescende. De mon nuage, du Fujisan, de ce volcan qui crache des cendres. Je suis né le même jour qu'Hiroshima, là l'explosion est imminente. Tu vas le sentir au fond de toi, les fondations et la terre tremble. L'érudition c'est captivant, plus j'en apprends, plus je me demande. Où va le fond de ma conscience et jusqu'à où je déploie le monde. Jusqu'où ira leur malfaisance, quand finira cette hécatombe. Toutes ces sirènes ne peuvent hurler, jamais je pourrais toutes les rabattre. Jamais je pourrais les oublier comme si j'étais un psychopathe. Dans mon présent, elle est couchée, mademoiselle Marianne. À faire semblant d'être choqué, à en devenir rouge écarlate. C'est son délire de simuler, puis au final tu t'attaches. Plus t'apprécies sa volupté, plus tu t'approches du massacre. Si
cette salope t'a séduit, t'es son complice ou son esclave. T'es avalé par la matrice, ça fait partie d'un grand schéma. On est branché à une prise et il serait temps qu'on s'en détache. On n'est qu'une simple série de chiffres pour cette machine et pour l'État. C'est difficile de s'en sortir sans cicatrice ou sans balafre. À force d'attendre, à mon avis, la solution devient létale. Des tas de types sont masochistes, ils aiment haïr leur propre life. Moi si je reçois l'ikigami, c'est sûr que je bute un de ces bâtards. Je me vois monter dans ma lanceur et puis m'enfuir au nord de l'île. Rouler à plus de 130 à l'heure avant qu'arrive le tsunami. Le tsunami dévastateur qui ravagera les pyramides. Tous les buildings et leurs symboles de grand pouvoir et d'opulence. Je m'en tape s'ils crèvent dans leur trip, j'appellerai pas une ambulance. Quand t'as besoin d'être ces hypocrites, détournent les yeux et les consciences. Leur univers est chaotique, t'imagines pas sur quoi ils se branlent. Faut pas de fierté, gros j'hallucine, faut qu'on fasse preuve de vigilance. Ils feront tout pour nous baiser, y'a des tas de preuves, c'est incroyable. Faut qu'on arrête de s'ignorer. Dans nos cerveaux y'a du brouillard. Y'a du brouillard. Ouais gros c'est grave, ils nous ont tous hypnotisés pour qu'on oublie tous nos pouvoirs. Ouais ils ont tous diabolisé, les plus belles choses deviennent si rares. Sache qu'ils ont tout monétisé, mais que la vie ça vaut que dalle. Hein? Zéro nada. Je suis trop direct, faudrait que j'apprenne à nuancer. Que je mette de l'eau dans mes poèmes et que je me cherche une fiancée. Ouais si je leur fais peur, y'a pas de problème. J'ai plusieurs couleurs sur le nuancier. Je sais, pour m'en sortir, faudrait que je m'aime et que je me laisse influencer. Ouais faut que je fasse en sorte qu'on se comprenne et que j'arrête de m'angoisser. Ouais faudrait que je m'adapte à ce système au lieu de vouloir l'esquiver. Mais là c'est mort, ouais je vous emmerde, allez appeler l'ambulancier. Demandez-leur à qu'il m'emmène, car en ce moment je suis totalement décontenancé. Je vois tellement de trucs irrationnels, gros j'ai l'impression que nos valeurs sont inversées. Pour faire le bien, faut faire le mal, et pour survivre, faut s'affronter. Plus rien dans ce monde ne m'intéresse, je m'en bats la race de m'intégrer. Même si au fond ça me fait de la peine, je vous laisse ma place, je suis atterré. On en est encore à se faire la guerre, à s'éclairer au nucléaire, et à se prétendre évoluer. Mais avant l'âge d'or et l'âge de fer, bah ouais les frères, nous sommes très loin de l'apogée. J'ai beau leur dire que c'est très grave, ça les dérange. Quand je témoigne, quand je dévale les vérités. Mais je fais du son pour qu'on s'éveille, pas pour nous faire positiver. Non, je suis pas là pour faire plaisir et encore moins pour le business. Ouais, toutes ces gars se peuvent blêmir, si je m'enrichis, bah je perds la tête. Rien à branler de votre fric, va donc chercher des allumettes. Pour que l'on crame ces imbéciles, faudrait bien plus qu'une étincelle. Faut du gasoil ou de l'acide, ils méritent pas qu'on les soutienne. Ils méritent juste qu'on les salisse, qu'on les exploite, qu'on les enchaîne. Comme ils l'ont fait avec nos fils, avec nos femmes, avec notre aide. Mais la vengeance, elle se nourrit de malfaisance, faut que tu comprennes. Que ça relève de la magie quand on nous l'imaginaire, quand tous les jours on sacrifie notre bon sens et puis nos rêves. Pendant qu'ils boivent dans un calice, moi je rédige mes propres formules secrètes. Pour que les puissants perdent leur canine et puis l'argent qui les obsède. Pour qu'ils s'absentent de nos vies avant que nos âmes rejoignent le ciel. Pour qu'ils s'absentent de nos vies avant que nos âmes rejoignent le ciel.